Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Robocraft. Et donc on repart en épisode de construction parce que de toute façon on n'a pas de chance, tout simplement, hein, faut pas aller plus loin, on a tout simplement pas de chance. Et on va essayer de faire un hover. Hop. Peut-être qu'il vaut mieux pas que je le mette comme ça. Hop, parce que sur un seul cube c'est pas très safe entre guillemets si je puis dire. Ok. Allez, hop. Le classique contour. Ok. Celui-là, c'est celui-là. Voilà. Hop. Pack. Hop, hop. Hop, hop. Ok. Alors, ensuite. Hop. Ok. Ok. Ok, parfait. Hop, hop. Hop, hop. Et hop. Ok. Bon, déjà ça, c'est fait. Normalement, on est d'accord, ça vole. Je préfère vérifier quand même, mais normalement, ça vole. Si tu veux bien me lancer la test zone, hein. Ok, parfait. Ça tourne assez vite. Juste un problème de vitesse de pointe qui n'est pas bon. Mais bon, ça, on pourra le régler avec des boosters. Donc ça, jusque-là, c'est pas trop mal. Ok. Ensuite, on est bon à faire le tour maintenant. Crac. Un petit plus. Crac. Là, je ne sais plus du tout ce que je suis censé mettre. Est-ce que c'est ce cube là? Non, bah non, c'est ce... Non, voilà, c'est ça. Donc c'est un cube comme ça en fait. Là, pareil. Là, c'est un cube comme ça. Pareil ici. Hop. Et là, seulement là, c'est le cube de ce genre. Hop. Voilà. Ensuite. Hop. Peut-être un petit peu loin du micro en fait, je viens de me rendre compte que maintenant. Hop, attendez, je rapproche tout. Voilà, hop, ce sera mieux comme ça. À mon avis. Alors. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. On va faire simplement le contour pour l'instant, ça va être peut-être plus simple pour moi. Hop. 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 Crac. Ça c'est fait. Ok. Maintenant toutes les pièces comme ça. Voilà. Pareil en dessous en fait. J'y pense. Hop. Et hop. Parfait, ça se passe plutôt bien. J'en ai oublié une là. Et une là. D'ailleurs, ceci, j'en ai oublié une ici. Et celle-là, je l'ai mal posée. Voilà.
Et j'avais dit qu'il fallait que je mette un cube ici. Ok. C'est pas ce cube là que je voulais. Un cube comme ça. Voilà, bon. Excusez-moi. Je sais pas ce qui se passe. Hop. Voilà. Parfait. Donc on a la forme générale, chers amis. Ça, c'est bon. Alors, comme là-bas, je vais mettre un cube ici et en dessous. Ok. Ok, ok. Bon. Maintenant. Comment vais-je faire? Si je souhaitais, par exemple... Il faudrait que je les avance encore d'une case si je souhaitais avoir ce que je voulais. Quoique, pourquoi pas? Pourquoi pas? Cependant, c'est ici que ça va être problématique. Attendez, 1, 2, 3, 4. Je me trompe peut-être. Hein. On va bien voir. Hop. Non, parce que si je fais ça comme ça, je risque d'avoir des soucis. Quoique, non, attendez. Attendez. Ici, normalement. Hop. Hop. Voilà. Encore faut-il que je puisse les mettre. Alors attendez. Faut vraiment que je calcule tout en même temps. Là c'est technique hein. Donc là par exemple ça passe pas. Et si je les avais mis là, ça passait. Ok, bon à savoir. Mais ça fait trop haut. Ça fait clairement trop haut. Juste pour voir. Si je les rajoute d'une hauteur. Enfin, si je les augmente d'une hauteur plutôt, on va dire. Que rajouter. Le terme rajouter n'est pas pertinent ici. Hop. C'est pas le cube que je voulais là, toi. Hop. Voilà. Ok. L'avantage c'est que ce sera autant de robots qu'on pourrait voir finaliser entre guillemets si jamais on a le l'accès au compte presse hein. Je précise. Oula. Hop. Voilà. Normalement là-dessus je peux les mettre. Parfait. 1. Deux, trois, quatre. Hop. Cinq plutôt. Ok, on fait pareil de l'autre côté. Est-ce qu'il y a nécessité de faire pareil de l'autre côté? Véritablement. Si je dis ça, c'est pour savoir si oui ou non. Si oui ou non, une redondance supplémentaire ici serait, enfin en dessous serait nécessaire. Est-ce que par exemple, si je faisais plutôt... A tout hasard, hein, c'est vraiment un essai. Hein. Hop. Ce genre de choses, ça ne serait pas plus performant justement.
Même si là, c'est peut-être partir un peu loin. Hop. En gardant, entre guillemets, la forme de longueur, en fait, sur le reste. Ça nous donnerait, en fait, ici, une forme de ce genre. Voilà. Avec, tout simplement, ici, ceci. Ça permettrait, en plus, de finaliser avec un cube ici, ce qui rendrait la chose moins jolie, effectivement, oui. C'est, on peut le dire comme ça aussi, chers amis. Hein. Mais bon. Pas problématique au final. Je trouve pas que ce soit un problème en soi. Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout que je peux faire ça en plus, regardez. Hop les. Hop les. Oh là une chose qu'elle est belle. Voilà. Voilà! Hop! Ok, pour moi ça me plaît ça. Moi ça me plaît. Donc là je pense que je vais recouvrir. Hop! Ce serait peut-être pas mal. Au niveau donc, de l'armement, on est en train d'en mettre toujours un peu plus, c'est parfait. Est-ce que je devrais pas rallonger le nez pour en rajouter ici? Si je rallonge le nez, ça donne quoi? Si je rallonge le nez, ça donne quoi? Déjà, de combien il faut que je le rallonge pour pouvoir mettre... Ouais, non, regardez. Ça va poser problème quand elles vont se tirer dedans, en fait, tout simplement. Donc, c'est pas la peine. Erreur de ma part. Ce n'est pas la peine. Hop. Non, pas dans ce sens-là. Merci. Hop. 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 Et voilà. Non, c'est pas le bon cube. C'est celui-là. Hop. Et voilà, problème résolu. On est revenu à la normale. Ok. Alors. Déjà, est-ce que je peux mettre des plates? Alors déjà, est-ce que j'ai des plates encore de disponibles depuis le temps que je l'utilise? C'est ça la véritable question déjà de base, pour commencer. Ouais, non pas du tout. Qu'est-ce que je peux mettre? Ah ça épouse plutôt bien la forme. Et ça va tirer dedans. Question, est-ce que je peux la rentrer d'une... Est-ce que j'aurais pu? Ben non, j'aurais peut-être pas pu. Oula, non pas ici, ça m'intéresse pas. Ici c'est très très bien. Ok, niveau électroplates on va être limité. On va être véritablement limité. Remarque, ça lui va bien ça. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, ça suit l'angle. Ça lui va même très très bien. Peut-être que ça aurait presque mérité d'être à l'intérieur, mais je peux pas. Donc bon. Je ne peux pas. De toute façon, je pense pas que ça aurait accepté. Pourquoi pas. Ça va pas aider à grand chose, mais pourquoi pas. Le problème ici, c'est que ça touche là-bas. Là c'est que ça va être trop. Là c'est que je pensais qu'il y avait un cube. Ok. Hop. Alors. Qu'avons-nous d'autre? Pas grand chose. En tout cas, si on avait quelque chose de disponible, on le saurait. Hop.
C'est trop bête au milieu, franchement c'est trop bête. Est-ce que j'aurais pu par exemple, juste pour voir, si je mets un cube là, est-ce que je peux quand même les mettre? Est-ce que je peux quand même les mettre si je mets un cube là? Ou est-ce que ce cube est un problème? Ce cube n'est pas un problème. Est-ce que je suis vraiment en bord du bord ou pas? Ou est-ce que je peux encore en mettre un? Par exemple si je le mets là. Essayons de frôler avec les limites du jeu. Hein. Ah, ça passera pas. Ça passera pas. Essayons, essayons quand même. Essayons de trouver d'autres idées peut-être. Peut-être qu'avec ça, ça pourrait le faire. Pas le bon sens. Pourquoi j'ai plus l'impression d'avoir le même objet dans les mains en fait? C'est ça qui est chiant. Catastrophe, j'ai plus l'impression d'avoir la même chose dans les mains. Ah voilà. Hop. Ok, pourquoi pas, je veux bien l'enlever hein. Je vais faire l'essai. Hop. Je crois que c'était celle-là. Bah qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ça veut pas? Ah, c'est ça qui bloque, non? Juste pour vérifier? Non, même pas. Ah merde! Voilà autre chose! Voilà que le jeu il veut plus! Là que le jeu il veut plus. Parce que c'est pas des cubes complets. Me dis pas que c'est ça. Ah si, je crois que je sais ce que c'est. Non, cette haine. Parce que comme c'est pas un cube complet, il veut pas le poser. Juste pour voir. Hop, je supprime ça. Je supprime ça. Je mets ça. Ah non, même pas. Ah non, c'est parce qu'elles se touchent entre elles, je suis stupide. Je suis complètement stupide. Donc j'ai fait du caca en fait. J'ai littéralement fait du caca. Hop. Ok, c'est pas grave. J'ai l'habitude maintenant. Ok. Non mais si je me mets à oublier les règles de Robocraft comme ça pour le fun, c'est l'éclate. C'est l'éclate. Alors ça c'est pas bon. Du coup, je peux remettre. Ah, oh, j'y ai presque cru l'espace d'un instant. Ma SMG. Il m'en reste deux. Remarque, je pourrais les remettre en dessous. Hein, pour la forme, entre guillemets. Si je puis dire. Par contre, on a un véritable pépin. C'est vraiment le... Le comment, le... L'armure du robot, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire d'autres. Là, j'imagine qu'elle se toucherait. De toute façon, ce serait atrocement laid d'ailleurs. Eh, je sais, on est là pour avoir un robot efficace. Moi aussi, je suis là pour avoir un robot efficace, chers amis, hein, mais bon. Faut qu'il ait un minimum de gueule quand même. Merde. Hop. Là, j'ai peur que ça soit des... ça soit problématique. Toc. Ok. Là aussi, ça va être problématique. Ok. Donc, je vais avoir zéro protection dessus. Bah, ça va être une véritable boucherie. Bah, du coup, je sais plus. Je sais ce qu'il me reste à faire. Hein. Le faire aller vite. Parce que s'il va pas vite, il va mourir.
Il va mourir vite en plus. Ok, bon, bah alors déjà, ça on peut le blinder. Pas la peine de chipoter. Hop, parfait. Hop, ça aussi. Hop. En dessous, pareil. Hop. La longue ligne droite. L'avant, on peut le blinder. Voilà. Ok, je tourne la souris. Pourquoi pas. Voilà, ça va être là où je suis sur l'autre. En haut, parfait. Ce qui veut dire que je peux remplir tout. Tout. C'est fini entre nous. Ouh. Allez, hop, voilà. Crac. Donc là, niveau vitesse, il devrait atteindre certains records. Hein, soyons honnêtes. On va quand même y placer les cubes habituels, vous savez. Pour faire le contour. Est-ce qu'on les place. Est-ce que je peux placer un comme ça? Oui, je peux peut-être les placer comme ça. Hop. Je vais placer des classiques comme ça, en fait. Pour rester, entre guillemets, dans le principe du robot. Ah, mais il veut pas au bout d'un moment. Je suis sûr qu'il aurait voulu celui-là par contre. Non? Ah bah voilà. Donc non, on va rester comme ça, tant pis. Sur un principe de solidité. En augmentant le nombre de blocs, on augmente la santé du robot normalement. Enfin, c'était comme ça pendant un temps, mais j'ai l'impression que toutes mes infos sont dépassées. Entre guillemets, si je puis dire. Ok, hop. Ah oui, ici il va pas vouloir. Normalement. C'est ça, ok, parfait. Bon bah écoutez, on va rester comme ça alors. On va rester comme ça. Hop. Par contre pour un minimum de... Est-ce que je peux placer des trucs comme ça? Merci. Ok, parfait. De ce côté là c'est bon. On a pu un minimum protéger notre bordel, ce qui est une bonne chose. On va refaire pareil en dessous. Hop. Voilà. Et on refait l'intérieur. Ah bah si je peux mettre celui-là à l'avant, par contre je vais les mettre. Hop, non. Ici, ah bla. Laisse-moi passer, s'il te plaît, gros machin. Hop. Voilà. Ah bla. Hop. Ah bah il y en avait déjà une. Ok, parfait. Hop, et à l'arrière, je peux en mettre une, donc j'en profite. Voilà. Et donc on a dit à l'avant, je peux en mettre une comme ça, ce qui est parfait. J'aimerais la mettre sur celle-là, s'il vous plaît. Merci. Ok, bon. Il nous reste combien de flops? 780 flops. Ce qui pourrait être efficace, ce serait de mettre plus tard, quand on aura les crédits pour, un blink ou un bouclier. Mais j'en parle à chaque fois, mais je suis loin d'avoir les crédits, puisque j'arrive pas à finir une partie correctement. Blah. Donc bon. Je ne sais pas. Par contre, je viens de penser à un truc, je peux quand même, sans souci, rajouter un truc comme ça à l'avant, ça peut toujours protéger un petit peu. Ok, ça c'est bon. Est-ce que je devrais rajouter des heals? Est-ce que je devrais rajouter des heals? Ou alors simplement rajouter deux canons? Bon, oui, normalement il devrait passer, je dis ça, mais il devrait passer normalement. Hop. Ok,
question c'est de savoir surtout s'ils volent avec ou pas. S'ils volent assez haut ou pas. Grande question, on va bien voir. On va faire le test. On va faire le test. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un hover qui soit efficace. Si celui-ci l'est, ce serait une bonne nouvelle. Honnêtement, ce serait une excellente nouvelle. Surtout que s'il a de la place en plus, des flops en plus, on pourra y mettre encore une fois du blink et du bouclier quand on aura les crédits pour. Mais s'il est à même de voler... Cool. Et si je lui demande de faire du Razmot. Ok. Je vais essayer un truc, on va bien voir. On va bien voir, hein. Si ça marche, tant mieux. Ça va être très très simple, vous allez voir. Hein. Mouvement. Tout simplement. Est-ce que je peux mettre un ski ici? Ah, ça va pas être assez haut. Ça va peut-être pas être assez haut, alors. Hop. Voilà comment je vais procéder. Hop, ça va être limite. Hop. Ça devrait être mieux. Excusez-moi. Oh là là. Catastrophe. On a baissé de 2. Où est-ce que je pourrais mettre le reste? hop. Voilà. Est-ce qu'il faudrait pas que je mette des steering skis? Je ne sais pas. Que je puisse tourner à un moment ou à un autre. J'en ai pas. Je peux en acheter s'il vous plaît? Merci. Très bien de pouvoir tourner je pense hein. Mais bon. Parce que ça me permettra en fait d'éviter les comment les tirs de, vous savez, de trucs explosifs si je me mets au sol. Et donc si je peux me mouvoir au sol, je serai complètement protégé entre guillemets. Par contre je pense que ça va du coup rendre obsolète mes armes à l'arrière. Mes armes en dessous. Wouhou, ça marche. Est-ce que mes armes en bas sont obsolètes? Je pense pas. Et par contre si je dois me mouvoir plus vite. Est-ce que c'est vraiment plus rapide? Faudra juste utiliser un speedometer pour le voir. Mais bon, jusque là je suis pas déçu. De toute façon il n'y a pas de raison d'être énormément déçu de ce robot. La seule chose qui va être problématique, ça va être forcément sa capacité à soutenir des dégâts. Est-ce que je peux faire une chose peut-être? Est-ce que je peux encore faire peut-être une petite chose tout bonnement. Ah ça toucherait. Ça serait problématique. Ok. Ça aussi. Ok. Et est-ce que ça serait? Ah ça pourrait pas être mal. Ça pourrait pas être mal. J'aime bien. Ça le rend sans doute 10 fois moins solide, mais écoutez. J'aime bien sur le principe. Hop. Ah et c'est dommage que ça coupe l'autre. C'est vraiment dommage. Ça m'aurait plu. Ça m'aurait véritablement plu. Ça aussi d'ailleurs, ça m'aurait plu. Ça aussi, ça m'aurait plu. on a rien du tout. Oh dis donc, c'est incroyable. Allez. Aucune autre possibilité.
puisse me permettre de protéger entre guillemets la partie supérieure du robot. Non, du tout. Oh là 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 là. Ça touche partout là, c'est pas la peine. Bon bah j'ai accès qu'à ça. Ok. Ok ok. On va l'appeler Monsieur Moustache si on met ça. N'empêche que ça passerait. Mais non, c'est pas la peine. Je préfère encore avoir un robot on va dire stylé qu'un robot mauvais et moche. Alors, le cube qu'on cherchait, celui-là. Hop, un petit coup de peinture, chers amis, quand même. Est-ce qu'on a d'autres choses? Attendez, quand même, on va vérifier une dernière fois. Est-ce qu'on a autre chose à mettre, par exemple, dans spécial? Non. Un radar receiver, pourquoi pas, tiens. Il n'y a plus beaucoup qui en utilisent. Hop. Et j'ai pas l'ennemi radar machin là. J'ai un diviner ou un tracker? Moi c'est une bonne question tiens. Ah ils ont baissé de prix, ils sont à 8 millions, enfin 9 millions. Ils ont baissé de 1 million, génial. Oui ça devait être un diviner que j'avais. Hop. 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 Et hop, c'était bien un diviner. Ok parfait, bon. Allez écoutez on va le repeindre. Comme d'habitude, vous connaissez mes goûts hein, ils sont toujours à chier. En tout cas, il y en a qui se plaignent de mes goûts dans les commentaires, c'est rigolo. Hop. Voilà à quoi le robot aurait ressemblé en normal. Et je vais le mettre comme s'il était en normal. J'ai oublié de faire ça, hop. Hop, voilà. Et bien sûr celle-ci. Alors là j'ai mis un cube noir. Donc là ce serait les cubes noirs carbone normal. Enfin normaux pardon. Hop. Voilà. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop. Ah, il manque des boules. Pourquoi il est pas comme de l'autre côté? Ah si, il est de l'autre côté. Ah bah, d'accord. Ah non, c'est parce que j'ai pas fait le dessous de ce côté-là, j'ai pas refait le dessous. Mais écoutez, on va laisser tel quel. Hop. On va le laisser tel quel et on verra bien ce que ça va donner. Hop. Ah, j'ai repeint les machins orange là, bizarrement. C'est pas prévu. Ok. Parfait. Ok. Et voilà comment il aurait été en mode carbone, entre guillemets, si je puis dire. Elles sont noires ou elles sont blanches? Non, elles sont blanches. Elles sont blanches, c'est bon. C'est la bonne couleur. Ok, bon. Hop, les. Voilà. Bon, ben voilà. Eh bien écoutez les amis, on le testera dans le prochain épisode. Merci à tous d'avoir regardé celui-ci. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner et rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. On en fait trop bien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cet épisode sera, le prochain épisode en tout cas, sera une bonne réussite. En tout cas, comparé au précédent qui n'était pas vraiment excellent. J'en profite pour mettre la dernière couleur ici qui est la bonne. Voilà. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, à la commenter, à la partager. Ce sont d'excellents moyens que vous avez pour me faire connaître les amis. Et moi, je vous en remercie. On n'en serait pas là sans vous.
Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Je dis tellement de fois merci à la fin de l'épisode, c'est incroyable. Oh là là. Mais vous le méritez. Je vous aime. Bisous.